Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo nose. Et oui, encore une petite vidéo nose parce que je suis passée hier chez nose et j'ai trouvé quelques petites choses que je voulais partager avec vous. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier à tous de votre fidélité et de votre soutien. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous fais très très gros bisous à tous. Donc, on va commencer avec la vidéo nose et je vais commencer avec les gels douches que j'ai pris. Donc, j'ai pris deux gels douche fa. J'ai pris un gel douche Luxurious Moment. Voilà, comme ceci. Mais l'odeur, elle est vraiment, c'est vraiment une tuerie. Moi, j'adore vraiment l'odeur. Je ne suis pas trop fan en fait des gels douche fa, mais je voulais tester celui-ci parce qu'il est vraiment, il a une odeur vraiment très très bien. Donc pour 2,50 €, voilà, je me suis dit je vais le prendre. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris le Mystic Moment. Voilà, donc celui-ci, franchement, c'est également une tuerie. J'adore vraiment l'odeur et j'ai hâte de les tester. Donc également pour 2,50 €. Et ce sont des contenants de 750 ml. Voilà. Et ensuite, donc je vais continuer dans les produits de beauté. Donc j'ai pris pour ma maman une coloration dans la marque Schwarzkopf. Voilà. Donc j'ai pris la teinte Choco Caramel 657. Et vous savez, en fait, ce sont des colorations en mousse. Je l'ai fait à ma fille et franchement, c'est très très facile à appliquer. Et donc ça, j'ai pris pour ma maman. Voilà, et c'était au prix de 2,99 € qu'en magasin. Ils sont dans les 9 € en fait l'unité. Ensuite, j'ai pris deux shampoings comme ceci, donc de la marque Schwarzkopf également. Donc ce sont des shampoings antipelliculaires. Ils disent cheveux à pellicule, Power Action 3, donc la marque Schwarzkopf. J'en ai pris deux comme ceci. Il y en a un qui est déjà dans la salle de bain parce qu'ils sont vraiment très très bien. Je les ai déjà pris, je les ai déjà testés en fait, mon mari. J'ai pris pour mon mari en fait et il a déjà testé et franchement ça lui convient donc très très bien. Et donc c'était pour 1,29 € que j'ai pris l'unité. Voilà, donc ensuite je crois que j'ai fini avec les produits de beauté. Non, il m'en reste encore un fard à paupières, donc de la marque Wapa, et donc j'ai pris pour 75 centimes. Donc c'est pas que j'en avais vraiment besoin, mais bon, j'avais pas cette couleur hein. J'ai très très peu de couleurs en fait, très très peu de fards à paupières de cette couleur là donc c'est de la marque Wapa, et je vais vous montrer la couleur. C'est un kaki. Voilà, comme ceci. C'est un kaki avec des reflets. Voilà, ça fait des jolis reflets. Et regardez-moi la couleur. Franchement, elle est vraiment géniale. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et comme je disais, j'en avais pas. J'ai très très peu en fait des fards kaki. Ensuite, je me suis pris un gel pour les mains. Voilà, un gel lavant-main. C'est à la fruit de la passion et orange, donc c'est un contenant de 500 ml, et donc je l'ai pris pour 1,65 €. Voilà, donc je voulais tester parce que ça a une très très bonne odeur. Moi j'aime vraiment vraiment beaucoup, et c'est made in England, donc à tester. Donc je vous en dirai des nouvelles de mes produits terminés, mais il a une très très bonne odeur. Et ensuite, donc je me suis pris des moules en silicone comme ceci, donc pour 2,99 €, donc celui-ci. Voilà, j'ai pris un rond comme ceci pour faire des petites tartelettes. J'en ai un, mais je trouve qu'il est, c'est pas suffisant en fait avec un seul, donc j'en ai repris un. Je trouvais que c'était pas cher et j'en ai pris un comme ceci pour les cakes. Et celui-ci, il était à 3,99 €, également en silicone souple, donc ça va faire l'affaire. J'en avais pas des comme ça. Et ensuite, donc j'ai pris du jus, c'est pas du jus d'orange, c'est du jus multivitamine comme ceci. Donc alors, c'est de la marque Jockey.
Et donc, il y en avait 4 fois 25 centilitres à l'intérieur. Ce sont des petites bouteilles comme ceci en verre. Et donc, c'était à l'orange, au citron et à la carotte. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'était au prix de 2,39 €. Donc, je voulais goûter. Et franchement, c'était vraiment très, très bon. Ensuite, je me suis pris des chocolats comme ceci. J'en ai pris deux. Voilà, il me semble que c'était 2,99 € ou 2,59 €, je ne me rappelle plus, j'ai plus l'étiquette. Donc, c'était de la marque Carte d'Or. Et donc, ce sont des mini poires au chocolat noir. Voilà. Franchement, très très bon. Et comme il n'y a pas de gluten et il n'y a pas de lactose, franchement, c'est vraiment très bien. Et j'aurais dû en prendre plusieurs. J'en ai pris deux, on en a déjà fini un. Mais franchement, si j'y retourne, en fait, je reprendrai parce que c'est vraiment très très bon. Ensuite, j'ai pris, je suis désolée pour le bruit, donc j'ai pris du nougat de la marque, Dolcidea. Voilà, hein. Ce sont des petits nougats enrobés et assortis à la vanille, citron, orange et café. Donc, il y a 200 grammes par sachet et c'est à prix de 1,99 €. Il me semble que le chocolat était au même prix. Hein. Il me semble qu'on a 1,99 €. Ensuite, je me suis pris une petite soupe comme ceci hein, de la marque Zamek. Je ne connais pas du tout, mais ça me tentait. En fait, c'est une soupe avec des lettres. Voilà, comme ceci. Soupe alphabet, donc il y a 80 grammes dedans et de la marque Zamek, pardon, et c'était au prix de 50 centimes. Voilà, je peux goûter ça. Et ensuite, donc il ne reste que des vêtements. Donc je me suis repris des petites sockets comme ceci. Voilà, donc pour 99 centimes l'unité, j'en ai repris 3. Donc ils sont bien. Donc ce sont des petites sockets comme ceci. Je me suis pris également un t-shirt. Je l'ai trouvé très joli. Il est froissé, hein, franchement, il est froissé. Parce que j'ai pas plié. Un petit t-shirt comme ceci, bleu, avec des petites étoiles, avec des strass, comme ceci. Hein. Comme vous voyez bien. Donc, je l'ai trouvé pas mal. Voilà. Donc il est bleu, je ne sais pas, vous le voyez gris à la caméra, mais il est bien bleu et c'est de la marque Odemaï ou Odemaï. Voilà. J'ai pris le taille 2 et c'était au prix de 7,99 €. Voilà. Donc je l'ai trouvé assez sympa et voilà, une matière très agréable à porter en lin, comme ceci. Hein. Donc je l'ai trouvé vraiment sympa. Ma fille s'est pris une robe, enfin une tunique comme ceci. Alors, elle est de taille assez large. Donc, avec des manches 3/4. Voilà, donc j'aime beaucoup en fait. C'était une tunique assez longue en fait, mais qui peut servir de robe également. Et de la marque Vibé. Voilà, comme ceci. Franchement, elle aime bien et ça lui va très très bien. Je crois qu'elle était à 10 €. J'ai plus l'étiquette, mais je crois qu'elle était à 10 € en fait. Ah si, elle est là. Je vais pas vous dire des bêtises. Voilà. Donc elle était bien à 10 €, à 9,99 €. Comme ceci. Et c'est de la marque, je disais tout à l'heure, de la marque Vibé. Voilà. Donc ils disent Made in Mexico. Bref. Franchement, elle l'a trouvé très très jolie et ça lui va vraiment très très bien. Et moi, je me suis trouvé une petite robe blanche. Je n'ai pas l'habitude en fait de mettre des robes blanches, mais celle-ci, je l'ai trouvée très très jolie. Alors, devant, elle est comme ceci. Je suis un peu floue. Alors, donc devant, elle est comme ceci. Et j'ai pris à moins 65 %. Alors, je vais vous dire après le prix. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Et elle m'arrive au genou. Elle est vraiment très très belle, hein, franchement. Avec une fermeture derrière.
comme ceci. C'est une matière assez agréable à porter et franchement très contente en fait de l'avoir trouvée. Donc ce qui me plaît en fait c'est le devant. Elle est vraiment très très jolie. Et donc là, je l'ai pris à moins 165%. Donc elle était, son prix de base, il était de 69,99 €. Voilà, donc 69,99 €, je l'ai payé 24 €. Donc franchement, je trouvais que c'était vraiment un très très bon plan. Et c'est de la marque Rio Paris. Voilà, mais franchement, très contente en fait de l'avoir trouvée. C'est vraiment une matière très très agréable et elle me va vraiment très très bien. C'est la première fois que je trouve une robe en fait qui ne me sert pas au niveau des hanches. Parce que j'ai des hanches assez larges et franchement, très contente en fait de l'avoir trouvée. Donc cette petite robe, donc je trouve que c'était vraiment un très très bon plan de 69,99 € à 24 €. Voilà, donc c'était mon petit haul Nose. J'ai pas trouvé grand chose, mais je suis déjà assez satisfaite en fait des produits que j'ai trouvés. Donc moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.